venus et ils vont me dévorer. Ici, si vous insistez.
va. Amicia, Milo est juste derrière ce mur. Je sais, c'est juste pour savoir si t'es prête. Pas vraiment. Mais elle aussi. La porte est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Il y en avait d'autres. On s'occupera d'eux. On est trop près du but. Et s'il y a rien dans la chapelle, promets-moi qu'on retournera voir maman et Lucas. Je... Oui, je te le promets. D'accord, ça me paraît raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi y a des rats? Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Vous pouvez gueuler. Je m'en fiche. Con de rat. Derrière moi. Non! Il est mort! Ah, t'as dû en baver sévèrement. Vous voudriez pas me laisser passer sans me bouffer? Descends! C'est compris. Les barbares sacrifiés comme des animaux. Pourquoi? Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Ils les tueraient pour ça. Regardez sur la porte le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Attention en descendant. D'accord. Plutôt récente. Qui a fait ça? Milo? Cette fresque.
le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était sa fonction au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. Une crypte? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Protéger un, protéger tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention, il y a peut-être une araignée là-dedans. Encore ce symbole. Pourquoi? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends, c'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien, on dirait qu'il a quand même terminé son travail. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans? Cet endroit est sacré! Toi? C'est toi? Tu as entendu mon appel? Mon offrande t'a plu? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider à ma place.
sont tués, Milo ! Là-bas ! Ça y est, ils arrivent ! Cachez-vous ! Mets Hugo à l'abri ! Ils ont massacré Milo, bon sang ! Les gars, vas-y ! On a besoin de tout le monde ! Tuez la fille ! Vite ! Tu vois l'issue, Sophia ? Vous ne nous arrêterez pas ! Pas maintenant ! Tu fais ce que dit Sophia !
Elle finira. Là Sacré-là. Vengez Milo. Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo, regarde-moi. Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Alors, tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. Ils sont là. Amicia, tous ces gens. C'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte.
C'est pour ça que t'es là. Tout ça sera bientôt fini, Hugo. Les rats ne nous laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, on est trois humains, malins et forts. Je sais pas. Dis-moi vers quel brasier tu veux aller. Je dégagerai un chemin. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez dans la lumière. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Ça ira comme ça. D'accord. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Arrête maintenant. Bien. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez dans la lumière. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Bien, tu peux lâcher. J'y vais. Éclaire le chemin pour nous. Restez près de moi. Attends.
Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Restez avec moi. Regardez, des survivants. Restez à distance. On va vous aider. Ouvre-nous la voie, Sophia. Restez près de moi. Non. Non. Laissez-les. Laissez. Moi aussi. Pourquoi? Je vous hais. Je vous hais tous. C'est fini. C'est tout détruit. Hugo. Ce chariot. Oui, ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Thank you.
éclaire le chemin pour nous. Restez dans la lumière. Cette charrette peut servir, non? Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Ça ira comme ça. Bien sûr. La lumière est presque trop faible pour mon prisme. Tu pourrais utiliser cette corde pour libérer la charrette. Judicieux. C'est bon, tu peux lâcher. D'accord. Avec moi. Attends, ne va pas trop loin. Il commence à faire trop sombre. Proximité. S'arrêter. C'est trop tard. C'est tout détruit. Hugo,
ce chariot. Oui, ça nous protégera. Il y a quelque chose sur le sol. Une poutre. Ça paraît lourd. Il faut trouver un moyen de la bouger. Sophia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. À proximité. Ouh, c'était moins une. Porteur, c'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hé, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit tous les deux. Oui, on est en enfer, mais on a une piste. Alors on reste soudés et on va jusqu'au bout. Elle a raison, Hugo. C'est tout ce qui nous reste. Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à son peuple. Oui. Lui, c'est un vrai chevalier. Sophia, éclaire le chemin pour nous. Restez avec moi. Bien. Allez.
Allez. Mon prisme reçoit peu de lumière ici. Attention! Ouvre-nous la voie, Sophia! Restez dans la lumière! Là-haut, c'est là! Attention, la lumière est presque trop faible pour mon prisme. Monte! Allez! Monte! Vite! D'accord. On y est. Enfin. Quand je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius, où es-tu? Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Sous terre. Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser? J'ai l'impression. Reste là, d'accord? Prête. Pousse. Ça fait un bien fou. Pauvre carte. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens. Une galerie. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison? Allons voir. On y est. Viens! Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière, et elle disparaît. Descends, ça va aller. Regardez, ça mène quelque part. C'est ici. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non, t'inquiète pas. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Attendez, il se passe quelque chose. Oh, pitié, non. Wow. Bonté divine. Regardez la taille de cet endroit. C'est quoi ça? Une espèce de temple. On dirait, oui. Sur le sol, regardez. C'est encore le symbole de l'ordre? Oui. C'est bien ici. Basilius est là. Quelque part. Qu'est-ce que c'est? Il y avait quelque chose dedans. Ça a disparu depuis longtemps. Continuons. Regardez cette porte. Quel chaos. Que s'est-il passé ici? Ces traces. Il y a eu une explosion ici.
C'était un accident? Je dirais qu'on les a fait sauter. Oui, quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia, elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça? Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Il y a un espace derrière. Essayons de passer. On va vraiment passer par là? Ne t'inquiète pas, ça tient depuis des siècles. On s'enfonce encore. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. On verra bien. Attention en descendant. Oui. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis sans dessus-dessous. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. Attendez, ces barils, ils sont remplis de feu grégeois. C'est pas une arme, ça? Pas toujours. Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Ah, ces murs ont résisté assez longtemps. Mais... Je m'y connais pour faire exploser des choses, crois-moi. Là! Tous aux abris. Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout. Oh! Ça a marché! C'était bruyant. Tu vois? Ça tient. Allez, venez. Tout ira bien. La porte est en piteux état. Jetons un coup d'œil. On va faire exploser cette porte aussi. Un baril? Ah, mes oreilles! Bon sang! Tout le monde va bien? Je crois. La voie est libre. On y va. Des morts. La garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussée à bout, j'imagine. Ces marques sur la porte, c'est son œuvre. Ça a dû s'effondrer derrière elle. Comment on ouvre ça? Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez. Il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Oh! Ça a l'air dangereux. Mmh.
Là, une manivelle. Voyons voir. Elle ouvre la herse. La charrette va rouler. Eh bien... c'est parti. C'est ouvert, je crois. Tu sais, je commence à la voir en toi. Aelia. Parce que je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. Comment est-ce possible ? C'est quoi cet endroit ? Cette porte là-bas va vite nous le dire.